Les fleurs cristallisées. Au fil des saisons, nous cristallisons la violette, la rose et la verveine. Les fleurs et les feuilles cueillies à l'aube nous sont livrées encore humides dans nos ateliers. Le confiseur les trie délicatement et les mélange par petites poignées à de la gomme arabique. Devenues collantes, il les enrobe de sucre glace et les dispose une à une sur ses grilles. Chaque grille est ensuite placée pendant 3 à 5 jours dans l'étuve, chauffée à 80 degrés. Lorsque les fleurs ou les feuilles sont déshydratées, elles sont placées dans une candissoire dans laquelle le confiseur verse un sirop de sucre candi. Elles y reposent toute une nuit et le lendemain, elles sont étalées sur les claies. Au contact de l'air, les fleurs ou les feuilles se cristallisent. Ce petit bonbon ancien est une de nos spécialités. Délicieuse à croquer telle quelle, ou pouvant servir aux décorations de pâtisserie ou de glace.